Éric Casimir, le frère de Patrice, champion de France du concours général en 96, lui aussi réunionnais, mais qui s'entraîne à Antibes et qui s'est bonifié à Antibes. Excellent gymnaste aux barres parallèles et aux barres asymétriques et surtout au cheval d'arçon. Voyons au sol, double salto tendu arrière. Une ligne de gymnaste que l'on recherche désormais dans toutes les grandes équipes. Des athlètes qui culminent à 1m75, voire 77, assez fin et tonique. C'est ça, très très longue ligne. Eric, qui au-delà de ses points forts, que sont les appuis arçon barre parallèle, effectivement est un gymnaste très complet. Il avait remporté en 96 le titre de champion de France, succédant ainsi à son frère. Alors, c'est une glissade, hein. Curieusement, nous allons le revoir tout à l'heure, mais je pense qu'il est tombé sur les talons et qu'il a un peu ripé sur le tapis de sol. Et oui, ça manquait un peu d'amplitude. Il n'a pas pu assurer qu'il ait fait sa réception. Voilà, ça va y encore grouper, grosse fatigue. Voilà. Eric, que quand on a manqué au milieu de son exercice, il devient difficile de rester concentré jusqu'au bout et d'assurer la finale. Attention, le ralenti. Série avant, saut de main, salto avant, vrille. Et c'est là, il est légèrement en arrière et il glisse. Et la finale, oui, c'est un tour arrière pour grouper.